jamais 203. C'est peut-être ce que s'est dit Maxime Berton en candidatant pour participer aux 12 coups de midi. Si son nom ne vous dit rien, celui qui défiait Céline, la nouvelle maître de midi, ce mardi 28 mars, n'était pourtant pas un inconnu pour les téléspectateurs les plus aguerris. Le trentenaire avait déjà fait ses preuves face à un autre animateur bien connu de TF1, Denis Brognard. Télé Loisirs rappelle que Maxime Berton était en effet au casting de Koh-Lanta, La Guerre des Chefs, diffusé au printemps 2019. Si est une aventure de dingue, a-t-il résumé quand Jean-Luc Reichmann a souhaité en savoir plus sur sa participation au jeu d'aventure. Si est une promesse que je m'étais faite quand j'étais tout petit, quand je serai grand, je serai aventurier. Donc, je n'ai fait mon métier, mais aussi, de vivre au moins 30 jours sur une île déserte, a alors expliqué celui qui a tenu parole puisqu'il a été éliminé, par ses camarades, au 34e jour d'aventure. Se démarquant par son côté stratège et ses nombreuses victoires lors des épreuves individuelles, l'Isérois de 35 ans a même eu droit à une seconde chance puisqu'il a ensuite été rappelé par la production pour faire partie des 20 aventuriers emblématiques figurant au casting de Koh-Lanta, La Légende, qui célébrait les 20 ans du programme. Son aventure s'était alors arrêtée au bout du 12e jour de compétition. Koh-Lanta La Légende, découvrez le casting de cette saison All-Stars, ça explose de saison en saison. S'il n'a donc pas remporté le précieux totem, Maxime Berton reste fan du programme et avoue continuer de le suivre, sauf quand ça tombe quand il est en expédition. J'ai l'impression que ça explose de saison en saison. Si est un jeu d'aventure et de stratégie, c'est d'ailleurs réjoui ce fin stratège sur le plateau des 12 coups de midi. Ne pouvant cette fois compter que sur ses connaissances et sa logique, le candidat d'un jour n'est pas parvenu à défaire l'actuel maître de midi qui a su répondre à la question posée lors de leur duel. Les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable, a alors déclaré la voix off en guise de clin d'œil. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran TF1.